Bonjour. Que fais-tu? Pourquoi fais-tu ça? Parce Bonjour. Que c'est le début de la vidéo, Doudou. Quelle vidéo? La vidéo du Rumfest. Nous allons au Rumfest à Berlin. Et c'est trop cool, trop cool. L'année dernière, il me semble que je n'avais pas filmé l'intérieur du salon, donc je vais remédier à ça. Hein? Et j'espère que ça vous plaira. L'ambiance est vraiment super sympa. Si c'est comme l'année dernière, il y aura énormément d'exposants. Donc, des petites choses sympathiques à déguster avec modération, évidemment. Je vous montre tout ça en images. Mouah! Je crois que là, c'est nous. Yeah. Juste à l'entrée. Make me believe. You know the best. Son cosas que me excitan y tus panties en el suelo. También los besos parecen de un universo muy lejos pero del nuestro. Con ese sabor a miel. Vamos a hacerlo una noche. La luna mirará y las estrellas verán que brillará. Pues te seguí el resto ni que contar. La indica, no hay nadie más que me enamore de verdad. La indica, no hay nadie más que sea buena como tú. Aparte de eso, le gustan chicos traviesos. De eso tengo hasta el pelo, yo creo que lo demostré. Tú lo que quieras, yo lo hago a tu manera. Si mueves esas caderas y bien pegadito a mí. Y sé que hay muchos pretendientes que tienes pero no los ves. Porque solo ves uno y ese hombre lo hace tan bien. Las horas son segundos y solo al lado de ti, besándote mami. Hey,
what's up? Je suis de retour. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas au Rumfest. Non, hier soir, je n'avais plus de batterie, donc ça a été assez compliqué de filmer la fin de la soirée, qui pourtant était super sympa, donc je vais tout vous dire. Alors, il y a eu le Rumfest, comme vous avez pu le voir. Et ensuite, nous avons été, comme l'année dernière, ouvrir une bouteille de rhum d'exception, à consommer avec modération, évidemment. Et l'année dernière, nous étions à la Porte de Brandebourg. C'était magnifique. Et cette année, nous sommes allés au Checkpoint Charlie. Donc, c'est un passage pendant la guerre qui séparait la partie est allemande de la partie américaine. Voilà, et tout ça en Allemagne, oui, il n'y a pas très longtemps, quoi. Donc c'est un peu c'est un peu bizarre d'être là, et hier soir on se disait ça, de vivre ça, ce moment, alors qu'il y a quelques années de ça, le pays était en guerre, et qu'à ce niveau-là, à ce passage-là, ben, les gens ne pouvaient pas tout simplement passer. Donc c'est, voilà, les choses ont évolué, heureusement. Et hier, on a passé un très bon moment, c'était super agréable. Juste avant, on a été manger allemand. C'était très bon, très 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 copieux, mais c'était excellent. La cuisine allemande, si vous aimez tout ce qui est viande, saucisses et tout ça, vraiment, faut venir ici. Moi, j'ai mangé des pâtes au fromage qui sont excellentes. Je pourrais pas vous donner le nom parce que c'est imprononçable quand on ne sait pas parler allemand. Mais voilà. Donc la soirée s'est terminée comme ça. Aujourd'hui, je suis à Paris pour de nouvelles aventures. Et bien sûr, je vais vous montrer ça en image. Mais ce sera demain. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt.